Bonjour les amis, bonjour la France, je vous aime. I love you, I love you, I love you. Un bon week-end? Oui. Ah, c'est le micro. C'est le micro. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh ben nous, on parle... Nous, c'est vous trois? Oui. Vous êtes des réalisateurs de films? Oui. Vous n'êtes pas James Bond? Si. Aussi. Alors... On parle de la France aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'elle a la France? Ah, je sais pas. Je l'adore. C'est vrai? Oh oui. Oh super, c'est mon pays préféré. C'est vrai? Oui, moi j'adore Lyon 69, moi. Ah oui? Moi je vais tout le temps à Lyon. Ah d'accord. Bon, la France, il paraît que... J'ai entendu que dans le commerce français belgique, les cigarettes sont moins chères en Belgique qu'en France. Ah oui. Voilà quoi. Nickel. T'aimes bien les Français? C'est des grandes gueules un peu. C'est vrai? Mm-hmm. Pourquoi? Je sais pas. T'as eu une mauvaise expérience avec les Français ou? Non, ça va. En général, à cause de la Coupe du Monde. Ah oui, c'est vrai que vous avez... Ça nous a fait mal au cœur. C'est incroyable ça. Ouais. Ramener la coupe à la maison. En boîte, je la chante quand même si c'est pour la France. Parce que le son est vraiment stylé quoi. Voilà, exactement. Je comprends. Vous l'avez mal vécu quand vous avez perdu contre la France? Mal vécu? Ça, c'est une enculée de question. Excuse-moi le terme. Non, mais pas de problème. Je suis assez direct. Ouais, j'ai vu. Non. Les Français, vous les aimez bien? Ça l'a qu'est-ce que j'ai vu. Pardon? Zoudouzoudam. Voilà. Ah ouais, c'est... Ça suffit? Un autre? On s'en fait un autre? Les animaux sont pas contents des êtres humains. Ah non. J'ai pas compris. Eh bien, tous les animaux sont en train de disparaître à cause de l'être humain. Donc un jour, il va à un tribunal. Et le lion va convoquer Adam. Adam, qu'est-ce que tu as fait avec la nature? D'accord. Et qu'est-ce qu'il va répondre, Adam? Il va plaider coupable. T'es un putain d'enfoiré, mais tu poses jamais les bonnes questions. Hein. Ah bon? Pourquoi? Ah, et en plus, c'est encore... Qu'est-ce qu'il y a de plus en Belgique qu'il n'y a pas en France? Qu'est-ce qu'il y a de plus en Belgique? Lourd. Qu'est-ce qu'il y a de plus en Belgique qu'il n'y a pas en France? Beaucoup de choses. Des figurines, des magasins, toutes sortes de choses. Comme les Iron Man, par exemple, les figurines Iron Man, Avengers. On a tout plus que vous. Vous avez quoi, la Coupe du Monde? Nous, on a tout. On a de la bonne bœuf en France, il n'y en a pas. Hein. Ils viennent la chercher ici. Hein. C'est ce que vous avez en plus? Ouais. De la bonne bœuf, on a les femmes, ils viennent pas chez les putes les Français à Gare du Nord. Ils viennent à Gare du Nord chez les putes. Tu vois? Bien, tranquille. Des frites cuites une deuxième putain de fois. C'est-à-dire? Parce que les frites faut les cuire deux fois en fait. Et les Français ils les cuisent qu'une fois. C'est vrai? Ouais. C'est ça que vous avez et en c'est plus. Ça qui font qu'elles sont bien croustillantes chez nous et tout. Et même ça vous nous les volez nos frites. Lesquelles? Oui. Bah elles sont françaises les frites hein. Bah non c'est pas vrai. Ah bon? Jamais de la vie. Les frites sont pas françaises? Ben non, c'est belge. Hey, ici, il n'y a pas les gilets jaunes. Hein. Ah oui, ça vous l'a en France, vraiment, ouais. Vous êtes là depuis combien de temps là? Ils galèrent les gilets jaunes. Ouais, 1002 par mois. C'est vrai ou pas, les gars? Ici, on brasse. C'est tout. Ah ouais, ouais. Et il plaît tout le temps. Ah ouais. Il fait chaud à Saragosse hein? Ouais. Il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. Ouais. Ça, c'est. Et clim d'intérieur. Assez fréquent, quoi. Tu vois un policier là? Il n'y en a pas. Non. Parce que tout le monde est tranquille ici. Il n'y a jamais de manifestation ici? Non. C'est vrai? Non. Y a et pas quand de manifestation? Il y en a, c'est nous, on baise les poulets, frère. Ah oui. C'est pas nous, ils nous baisent, ils nous frappent pas. Toi, tu baises les poulets? Ouais, bien sûr. Si les flics me regardent, dédicace à vous. Hein. Je connais. On n'est jamais rentré en prison, mais. Mais ça va pas tarder. On les baise. On a plus de liberté en Belgique qu'en France. À quel niveau? Au niveau politique français et français, au niveau politique français et Belgique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. D'accord. Les meufs sont plus jolies à Paris. C'est vrai? Mais ça, on a une théorie en fait, c'est qu'elles sont pas plus jolies, mais la parisienne... Elle s'habille mieux. Voilà. Tous les jours, elle prend soin d'elle. Même si elle n'est pas lavée, elle présente bien. Elles ont cette culture de... De la mode. Ouais, de la mode. Exactement. Je comprends. C'est exactement ça. Pardon, excuse-moi. C'était pour pas vous. Pour pas que vous soyez filmé. Pas de problème, filme. Je vous cache. Toi, t'es déjà sorti avec une. Avec une française parisienne. Ou une parisienne, ouais. 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 Et alors, c'était bien? Non. Vous chantez pas du tout?
Oui, quand j'entends la radio, Aznavour. Ah, chantez Aznavour pour la France. Ah, bien, attends. Il me semble qu'il n'y a que la misère, quelque chose, mais j'ai oublié. Il chante de la misère. Il me semble que dans le soleil, il y a moins. C'est avec la misère toujours, Aznavour. Ça, c'est Aznavour, ça? Aznavour, il chante toujours de la misère. Oui. Oh, tu danses, tu danses. Tu danses, mon ami. Oula. Oula. Hop. Oula. Mais les Belges ont beaucoup également progressé en matière fromagère. Ah oui? Ouais. Vous n'êtes pas convaincu, hein? Je sais pas. Faites-moi goûter un fromage belge. Ça, c'est du babybel, ça. Non? Qu'est-ce que vous dites, là? Quoi? Vous dites n'importe quoi. Ah bon? Ah ben oui, vous dites n'importe quoi. Bon. Regardez. Goûtez-moi ça. Comment ça s'appelle, ça? Là. Ça, le Old Grundahl van Rooselaar. Ah oui. La France n'a pas ça. Je goûte, là? Oui, allez-y. Non, mais ça, c'est du parmesan. Mais non, c'est pas du parmesan. Ça ressemble au parmesan un peu. Ah oui, ça ressemble, mais ça n'est pas. Le parmesan n'a pas ce goût crémeux. Ah ouais. Et n'a pas ce goût de caramélisé. Non, ça c'est bon ça. J'aime bien. Il y en a d'autres ou pas? Vous n'avez pas goûté tous les fromages, hein? Mais pourquoi? Bah parce que. J'ai autre chose à faire que de vous faire goûter les fromages. Non, c'est vrai? Bah bien sûr. Oh là là. Bah bien sûr. Mais ce n'est pas la mienne, hein. Ah non, c'est du lait ça. Oui, c'est ça. Ça c'est du lait. Non, c'est cool. Milk. Ça, c'est milk, hein. Ça, c'est milk. La musique. J'aime bien la musique. C'est mieux en France ou en Belgique, la musique? Bah, j'aime bien la musique française aussi. Hein. Qu'est-ce que vous aimez bien comme musique française? Johnny. Ah oui? Ouais, Barton. Une petite chanson? Sheila. Une petite chanson de Johnny? Non, ça, je sais pas chanter, moi. Oh, Marie. Bah, non, toi, chante-toi. Moi, je connais pas. Oh, Marie. Oh, Marie. Bah, oh, Marie, c'est pas lui, ça. C'est bah, pas Johnny, ça. Oh, Marie. Oh, Marie. C'est quoi, ça, Oh, Marie? Oh Marie, oh Marie, si tu savais. Oh Marie, ouais. Oh Marie. Ouais, c'est ce que je chantais. Ouais, mais tu l'as pas bien dit là. Hein? Ah ouais? T'as dit oh Marie. Oh Marie, c'est pas oh Marie. Oh Marie, c'est pas oh Marie. Tu comprends? Bah, on a Johnny qui est origine d'ici, du quartier, plus qu'ici. Hein. Il est français, lui. Vous aimez bien Johnny? J'aime bien Johnny, j'aime bien tous les Français. Vous voulez faire une petite chanson? Petite chanson de Johnny. Allumer le feu. Allez-y. Ah non, mais ça, c'est pour Notre-Dame. Hein. Allez-y. Allumer le feu. Ça, c'est méchant. Hein. C'est une blague belge. Ça, nous, voilà. En France, on n'accepte pas ce genre de blague. Ouais, je sais, mais c'est partout dans tous les pays, ouais. Répond tout ça. Voilà. Ça, vous pouvez couper. Oui, bien sûr. Est-ce que tu avais un préparatif? Est-ce que tu avais pensé à une seule chose? Je comprends pas trop. Ben c'est con. Les gens sont peut-être un peu plus jovial. En Belgique? Ah ouais? Oui. Nous on n'est pas très... Je sais pas, les Belges prennent tout un peu à la rigolade. Ah ouais, le gros défaut des Français alors? Ils sont chauves, hein. C'est vrai? Ah oui. Plus que les Belges? Oui. Oui. C'est un reproche que je peux faire à un Français, c'est celui-là. Par contre, nous, on n'est pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de quoi aimer la Belgique non plus. Hein. Non. Ben, elle est jolie, la Belgique, à part la pluie. Non. Regardez la grande place de Bruxelles, elle est formidable, c'est unique. Ça vaut pas les Champs-Élysées. Hein. Oh, je ne sais pas. Sauf il y a un côté, à Molenbeek, monsieur, là, tu ne dois pas, votre dame ou votre fille ne doit pas promener toute seule par là. Où ça? Molenbeek. C'est quoi? Ah. Des voleurs. Il y a des voleurs à Molenbeek? Ah, ça ne sont pas des non. Belges ou... Informez-vous une fois. Ah ouais? Oui. Bon, merci beaucoup, monsieur. Et arrête d'être sec. Comment? T'es chiant. Ah bon? Ouais. Pourquoi? T'es trop sec. Toi, tu poses ces questions, c'est cadré, tout est mis sur quelque chose. Est-ce que tu peux pas déplacer certaines choses? J'arrive pas. Ah oui.
pensez quoi des Français? Oula. Pas d'opinion. C'est vrai? Non, pas vraiment. Un petit mot pour la France? Un petit mot pour la France? Croyez-moi, les gars. Uniquement. Comment? Ça, c'est mon mot. C'était quoi le mot? C'était quoi? Et je ne changerai pas d'avis, en mon mot. Comment? Je ne changerai pas d'avis. Et c'est quoi le mot? Attention, il y a quelqu'un avec la lumière. Un petit mot pour la France? Genève, c'est en Suisse. Elle parle français. Enfin, il a fait un petit sourire. Putain. Ça a duré combien d'années? Je rigole, là. Vous voyez? Ouais. Mais t'es un super mec, hein. Tu sais poser des questions, mais tu cherches jamais plus loin. Qu'est-ce qu'il y a de plus en Belgique qu'il n'y a pas en France? Mais des Belges, oui. Ah oui. Ça se tient. Mais tu fais bien ton boulot. Mais fais attention quand même, bordel. Quoi? Sois cool, relax. Bah, je suis cool, là. Costume, cravate. C'est stylé, hein. Ouais. Ah voilà. J'ai les baskets, c'est cool les baskets. Hein. Non. Ah. Vous l'avez mal vécu quand vous avez perdu contre la France? Mal vécu? Ça, c'est une enculée de question.